Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière. J'avais envie de faire une vidéo anniversaire. Alors vous allez me dire, mais Armel, on est en décembre, pourquoi tu me parles d'une vidéo anniversaire? Alors non, ce n'est pas mon anniversaire, mais c'est l'anniversaire en fait de ma maison, ou plutôt de mon emménagement. Voilà, puisqu'en fait, ça fait un an. Pour ceux qui me suivent, eh bien écoutez, vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Si ce n'est pas encore le cas, bah, écoutez, mettez en pause cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre. Ce serait vraiment top qu'on atteigne les plus de 2000 abonnés pour la fin de l'année 2023. Écoutez, ce serait absolument génial. Donc si jamais vous aimez ces moments de partage ou les vidéos Tiny House, eh bien écoutez, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et surtout, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires ou alors à nous rejoindre sur Instagram et prendre le temps de m'envoyer un petit message avec toutes vos questions. Je me ferai vraiment une joie d'y répondre parce qu'en fait, cette page YouTube a été créée à la base pour s'entraider dans les travaux et l'aventure de la Tiny House. Et donc, j'y reviens. Aujourd'hui est une vidéo anniversaire puisqu'en fait, ça fait un an, là, à quelques jours près, que j'ai emménagé dans ma tiny house. Et du coup, bah écoutez, pour clôturer, je dirais, entre guillemets, cette série de vidéos sur ma mini maison pour l'année 2023, de réaliser cette vidéo anniversaire et donc de vous faire un retour sur mon expérience de vie en tiny depuis une année, puisque j'y ai vécu en fait toutes les saisons, tous les changements de température. Et du coup, maintenant, je peux vraiment vous en parler, je dirais, bah, de manière objective et totalement honnête. Et je trouve que ça peut être aussi intéressant s'il y a des personnes qui pensent en fait se lancer dans l'aventure. Alors il y a juste une chose que je voulais vous dire, c'est qu'en fait les travaux extérieurs, ceux que j'ai filmés et que j'ai mis dans la dernière vidéo Tiny House, je vous mettrai la miniature par là et le lien de la vidéo en barre d'infos. Mais du coup voilà, tout le bardage extérieur et la terrasse ont été réalisés au mois de septembre cette année. Donc du coup, ça au final, ça date pas d'il y a très longtemps. Ça, j'y reviendrai quand j'aurai davantage de recul dessus, même si là, bon, je vois quand même déjà des différences. Et donc pour la partie intérieure, oui, ça fait un an que j'habite ici, donc ça veut dire que ça fait un an que les travaux ont été bah, terminés, pour la plupart, parce qu'après, il y a des choses qui s'étaient un petit peu étalées. Et j'avais tout simplement envie de vous faire, voilà, au fur et à mesure que je parle et que je vous fais mon retour sur les... Je dirais les avantages et les inconvénients de vivre en tiny. Je pense que je vous ferai aussi un petit moment un peu nostalgie pour moi avec des passages vidéo avant, après des différentes pièces ou des travaux que j'ai pu faire. Voilà. J'ai vraiment envie en fait de faire cette vidéo. Elle est vraiment importante pour moi pour me rendre compte en fait tout simplement de ce qui a été accompli en ben, pas très très longtemps en fait. Puisque le mobilhome est arrivé ici le 1er août ou le 2 août 2022, moi j'ai emménagé quelque chose comme début décembre 2022. Et donc là, voilà, là ça fait un an que j'y vis. Et au final, dans ce laps de temps, il s'est passé juste énormément de choses. En moins d'un an et demi, en fait, tous les travaux ont été terminés. Intérieur, extérieur, etc. Donc du coup, j'avais besoin de faire cette vidéo-là parce que je trouve que des fois, c'est important de se poser, parce qu'on a quand même des vies qui sont très, très mouvementées, pleines d'action, etc. Et je trouve que c'est vraiment important des fois de juste de se poser et de faire un petit peu cette espèce de bilan et de se dire waouh, qu'est-ce que j'ai accompli, entre guillemets. Je parle d'accomplissement personnel, voilà, de choses qui nous nourrissent. Et moi, c'est vrai que construire cette tiny house, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a nourri énormément. J'ai appris des tas de choses en faisant les travaux. Et du coup, voilà, j'avais envie tout simplement de partager ce moment-là, un peu nostalgie avec vous. Je trouve que c'est un beau cadeau pour cette case, je dirais, du calendrier de l'Avent, que sont les Vlogmas. Donc, du coup, voilà, aujourd'hui, c'est parti. On va faire un petit retour en arrière, un petit côté un peu nostalgie. Et surtout, bah, je vais vous partager mon expérience de vie en tiny. Et voilà, je vous avoue, c'est une vidéo qui n'est pas du tout. Je n'ai rien écrit. C'est vrai que j'aurais pu écrire quand même quelques idées, mais j'avais vraiment envie de la faire avec le cœur et de partager ça avec vous de manière aussi simple et naturelle que possible. Donc écoutez, c'est parti, et puis j'espère que ça vous plaira.
Écoutez, déjà, la première idée qui me vient quand je pense à mon chez moi, c'est le concept de liberté. Parce qu'en fait, habiter ici, surtout en plus en étant perdu dans la campagne, au bord d'un étang, je me sens vraiment très reconnaissante de pouvoir habiter déjà sur ce lieu, à l'endroit où je suis. Parce que c'est vrai que quand j'ouvre en fait ma porte le matin ou que je regarde par la fenêtre, moi, je vois une étendue d'eau avec de la forêt autour. Et ça, vraiment, ça n'a juste pas de prix, en tout cas, à mes yeux. J'ai vécu très longtemps, enfin très longtemps, oui, à peu près 8 ans, dans une grande ville. Et du coup, là, je suis revenue dans ma campagne et je vous avoue que c'est un autre rythme de vie. Alors, ce n'est pas plus calme, bien au contraire, c'est différent. Mais c'est passionnant. Et surtout, moi, la nature, j'en ai véritablement besoin. Ça me fait beaucoup de bien, ça me ressource. Et puis là, le fait de savoir que je peux sortir de chez moi, que je suis encore chez moi, que j'ai une grande étendue, je peux marcher, je peux aller faire le tour de l'étang. Quand je veux récolter des mousses, par exemple, pour mes DIY, bah écoutez, je peux parce que je sais que j'ai des arbres et j'ai tout ce qu'il me faut à côté. Je trouve que c'est un vrai luxe, en fait, de vie, surtout à l'heure actuelle, que de réussir à se créer un endroit qui est un havre de paix. J'ai voulu créer ça jusque dans le choix des matériaux que j'ai mis à l'intérieur de ma maison, comme le fait, voilà, d'avoir bardé de bois aussi. Donc il y a la partie... C'est important pour l'isolation, mais c'est un choix aussi esthétique. Moi, j'avais vraiment envie de créer cette ambiance de chalet. Vous la voyez derrière moi. D'ailleurs, il y a du bois derrière moi, je suis en train d'y penser. Mais voilà, je voulais aussi des meubles qui racontent une histoire. C'est des choses aussi que j'ai accumulées au fur et à mesure des années. Enfin, voilà, je suis vraiment juste profondément heureuse. Ben, en fait, c'est moi, cette maison, c'est juste, j'ai l'impression, une extension de moi, de ce que je suis, de mes goûts. Et je trouve ça absolument merveilleux. Voilà, tout simplement. Alors, pour parler des choses peut-être un petit peu plus terre à terre, s'il y en a qui se posent la question. Ah oui, si j'ai eu pas mal de gens qui avaient des craintes, alors notamment quand le bardage n'était pas fait, qui m'ont demandé, du coup, voilà, si j'avais pas trop eu froid mon premier hiver, bah écoutez, j'ai chauffé, tout simplement. Et après, il ne faut pas oublier que ma tiny house, du coup, fait 35 mètres carrés, donc c'est que entre guillemets 2 mètres de hauteur sous plafond. Ça, c'est le seul truc qui fait peut-être un petit peu bizarre quand on rentre la première fois, c'est que c'est pas aussi haut de plafond qu'une maison ou qu'un appart. Mais du coup, gros avantage, ça chauffe extrêmement vite. Moi, j'ai un chauffage relativement basse consommation, parce que c'était quelque chose qui m'avait été laissé par les anciens propriétaires. Donc lui est allumé, mais vous savez, il s'autogère, c'est-à-dire que je le mets pas non plus très haut et comme ça il se coupe. Donc voilà, donc en termes de consommation vraiment d'électricité, c'est pas énorme, hein. C'est vraiment pas énorme. Là voilà, maintenant qu'il fait bien froid et qu'il gèle la nuit, j'ai ajouté dans la chambre un petit chauffage d'appoint, mais que j'allume bah, soit que le soir, ou pareil, c'est quelque chose qui se déclenche, donc il suffit juste de le régler, pas non plus trop consommer, et vraiment en appoint à point, ça c'est pour me faire plaisir le soir, et si vraiment, voilà, quand on va attaquer des nuits à moins 8, moins 10, bon là on verra, je l'allumerai plus souvent, mais j'ai mon petit poêle du coup qui est juste derrière moi, qui lui est vraiment un petit chauffage d'appoint qui consomme plus forcément. Mais du coup, voilà, j'ai ces trois chauffages-là. Donc voilà un petit peu, un petit peu chauffage et technique, je dirais. Après, je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages à vivre ici. Donc le spot, ça, c'est sûr et certain. Et pour la partie un peu intérieure, ben écoutez, le fait de vivre dans pas énormément de mètres carrés, alors moi, ça me dérange absolument pas. Parce que je trouve que déjà, je passe beaucoup de temps à faire le ménage. Je vis avec pas mal de plantes. Et un chat surtout. Donc du coup, c'est vrai que je fais quand même assez souvent le ménage. Et du coup, voilà, je me dis en fait, si t'avais quelque chose de double en termes de superficie, sachant que je vis seule, bah au final, ça m'embêterait plus qu'autre chose parce que c'est du temps que je perdrais entre guillemets à faire ce ménage-là, de tous ces mètres carrés-là qui au final sont complètement superflus, alors que c'est du temps que je passe dehors, que je passe à vous créer du contenu, que je passe à peindre. Moi, je préfère vivre dans un espace plus petit. Avoir un grand espace dehors, surtout maintenant avec la terrasse qui a été construite et la pergola, mais ça, on l'aménagera beaucoup mieux au printemps prochain. C'est vrai que voilà, j'ai une terrasse qui fait quand même 50 mètres carrés, donc en fait, dès qu'il fait beau, ben, je peux aller me poser sur ma terrasse et c'est génial. Donc ça me fait comme vraiment une extension de ma maison. Et en fait, l'espace que j'ai à l'intérieur me suffit largement. À la limite, la seule chose qui me manquerait, ce serait potentiellement une autre pièce, un peu style chambre d'amis, qui me servirait, je pense, davantage d'atelier slash bureau pour vous monter notamment les vidéos. Voilà, c'est plus ce genre de choses-là, avec une partie un peu bibliothèque, pouvoir y mettre aussi quelques plantes potentiellement. Mais écoutez, je suis déjà très très contente de ce que j'ai réussi à bah, me construire.
en si peu de temps, voilà. Sachant que pas mal de personnes m'avaient dit que c'était impossible en gros une année d'aménager et l'intérieur et l'extérieur et de tout mener de front et voilà. Et bah écoutez, ils avaient tort. Ils avaient tort parce que clairement, tout est possible. Du moment qu'on y croit, du moment qu'on planifie, du moment qu'on fait des budgets, écoutez, tout est possible, vraiment. Il ne faut pas avoir peur. Il faut aussi avoir confiance en soi, en ses capacités, en nos capacités aussi à rebondir et à apprendre. Je trouve que pour ça, l'être humain est absolument formidable parce qu'on a vraiment ces capacités-là en nous et il ne faut pas hésiter à les solliciter, tout simplement. Donc, je pense que vous l'aurez compris, mais pour moi, il n'y a pas tellement en fait de points négatifs à vivre dans une tiny. Alors, c'est vrai que pour certains, c'est peut-être pas assez de mètres carrés, mais en même temps, étant donné qu'on est dans une société où on consomme quand même énormément, et je ne suis pas certaine de faire vraiment exception, même si je tends à ça, en fait, vivre dans peu de mètres carrés nous oblige clairement à faire du tri régulièrement ou réfléchir davantage à nos achats en nous disant bah oui mais ça chez moi je le vois pas, il n'y a pas la place, ou alors faudra que j'enlève autre chose pour intégrer cette pièce-là. Je parle de pièces de déco, de le mobilier, moi personnellement je ne vais pas le refaire bouger parce que je l'ai vraiment sélectionné pour optimiser en fait mon petit espace, donc ça me va très bien comme c'est. Faire des tri réguliers, moi, même au contraire, ça me fait du bien à la tête. Donc écoutez, pour moi, c'est même un point positif. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, mais je pense que je vais oublier des tas de choses. Donc vraiment, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions qui soient vraiment très terre à terre, très techniques. Soit je vous renverrai vers des vidéos précédentes. N'hésitez pas également à les regarder si jamais ça vous dit. Et après, en termes de budget, en tout et pour tout, donc intérieur et extérieur, plus achat du mobilhome, plus installation de l'eau, de l'électricité, de la fosse, enfin vraiment tout, 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 tout. De toute façon, j'avais fait une vidéo budget, mais là, je vous la fais en version vraiment très condensée. J'en ai eu pour environ 15 000 euros. Voilà un petit peu. Écoutez, je suis vraiment hyper heureuse de pouvoir vous partager cet anniversaire de mon emménagement. C'est vraiment quelque chose d'hyper perso, mais que j'avais envie de partager avec vous, parce qu'en fait, pour ceux qui hésitent, ben écoutez, n'hésitez plus. J'ai envie de vous dire, si vivre dans peu de mètres carrés vous convient, si vous voulez choisir davantage l'emplacement de l'implantation de votre mini-maison, ben écoutez, foncez. Foncez, c'est une expérience de dingue, vous en sortirez grandi, enrichi, bon, peut-être pas du point de vue monétaire, mais je parle du point de vue un peu plus spirituel et tout ce que vous allez acquérir en fait en termes de savoir-faire, c'est vraiment quelque chose qui fait grandir, qui fait du bien, de faire des choses aussi par soi-même qui sont très manuelles. Et du coup, en plus de ça, je vous fais un coucou, je pense à vous en particulier, à mes abonnés qui du coup se lancent dans cette aventure-là et qui me posent plein de questions. Et je trouve ça vraiment trop, trop, trop cool. Je suis à fond derrière vous. Vraiment, vivez ça à fond, c'est génial. Et puis si vous avez des questions. Là, je m'adresse à tout le monde, mais si vous avez des questions, écoutez, déchaînez-vous dans les commentaires. Je répondrai à tout le monde, comme d'habitude. Je réponds à tous les commentaires. J'y tiens. C'est vraiment très important pour moi et ça m'aide à prendre conscience, tout simplement, que derrière, ma caméra ou mon écran, il y a véritablement des personnes qui me suivent et qui me regardent. Et je vous avoue que ça fait beaucoup de bien. Moi, c'est une de mes parties préférées dans cette création de contenu. C'est vraiment ce que je préfère, en fait, pouvoir échanger aussi avec vous. Et ça me fait beaucoup de bien et c'est très, très cool. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo un petit peu nostalgique vous aura plu. Et si c'est le cas, et ben écoutez, lâchez-moi vos meilleurs likes pour tout le travail qui a pu être accompli ici pour cette mini maison. Et puis écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Et puis nous, on se retrouve demain soir à 18h pour le prochain Vlogmas. Ciao!